Ok les gars, éliminés au premier tour, on reçoit un petit jeton draft pour retenter notre chance. Ça fait plaisir les gars, on a un petit jeton draft pour retenter notre chance, hein, donc ça on va envoyer vers... En fait non, je vais tout envoyer vers le club, je suis vraiment con. Hein? Ah oui d'accord. Donc, les gars, l'équipe de mon adversaire d'avant, les gars, je vais vous l'afficher maintenant. Vous voyez le délire ou pas? Voilà. Je me suis fait limite douiller, je perds 2-1 les gars. Voilà, c'était pas vraiment de la douille, mais pas loin, voilà. Donc, les gars, j'ai décidé de faire comme lui. Je vais prendre que des joueurs avec des cartes spéciales. Voilà, que des joueurs avec des cartes spéciales. Donc, on va prendre un 3-5-2. Et on va prendre que des cartes spéciales. Si on n'a pas de carte spéciale, qu'est-ce qu'on fait? On prend la carte la plus dégueulasse. Donc, Alex Sanchez, voilà. Je perds tous mes moyens, j'aime tellement tes formes. Mais ta plus belle courbe restera ton sourire. Oh, oh, oh. Sur les murs, beaucoup d'RIP. La dernière fois que j'ai croisé le canon d'Italie, de battre, mon cœur s'est arrêté. Oh, oh. Et je reste planté là comme si j'attendais l'épiphanie. Il est 5h05, je sors du club. Je n'ai pas assumé mon rôle d'aîné de famille. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que je fous dans ce club? Complètement rabat. Je suis passé par la grande porte et mes tags. Bon les gars, même en prenant des joueurs que des joueurs spéciaux, on arrive à se faire une équipe avec seulement 86 en notes. Hein. Même en prenant que des joueurs spéciaux. Pour dire qu'on a vraiment pas de bol dans les drafts. Donc on a une foule spéciale. Mis à part notre poteau Salin. Voilà. Voilà, on a Salin dans les buts. Ça fait plutôt rêver. Je sens qu'il va nous faire de la grosse merde. Putain. Salin. Mmh. Wow. Faut oser. Bon, sinon dans l'équipe, on a du Marco Reus boost, Georges Weah, Alexis Sanchez BU boost, Mkhitaryan boost, voilà, Lemar boost, Verratti boost, Iniesta Totti, Jordi Alba boost, Sidi Beto GS, Marquinhos boost, voilà. Et après, on a Salin dans les buts. Salin, putain, merde. Oh, on est trop dans la merde. Hein. On est trop dans la merde. Mais bon, c'est pas grave, il a du collectif. Aussi, sur le moment, on a Mertens 88. Alors lui, il a des stats de malade mental. Robben aussi qu'on fera rentrer, voilà, je pense qu'on va les faire rentrer à chaque fois, les deux là. Et après, on a une équipe de merde, enfin, sur le banc, enfin, on a que des merdes. Bon, les gars, franchement, on a, même en prenant des joueurs spéciaux, on a de la merde. Ok, les gars, fondateur fut. Les mecs, c'est un fondateur fut. Maillot de Bordeaux en plus, alors là, les gars, fondateur fut. Attention. Attention, les mecs, le fondateur fut. Je sens qu'on va se faire exploser. Déjà, on voit cette draft de malade mental avec Kartoki, Messi, Tojes, Icardi, Boost, Pjanic, Boost. C'est n'importe quoi. Pff, les gars, on va se faire. Les gars, un fondateur fut, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement, les joueurs qui jouent à FIFA depuis FIFA 10. Tout simplement, ça veut dire qu'il a créé son club en 2010. Vous voyez, genre, en 2009-2010. Ah ouais, les gars. Ah ouais. Non, toujours plus. Toujours plus. Voilà, le gars, c'est un fondateur futi. Ok, les mecs, on l'arrête. Ok. Ça commence bien. Objectif, les mecs, objectif de ce match, mettre un but au fondateur fut. Mettre un but au fondateur fut, on l'a vu là-bas. Hop. Centre. Et boum! Quel golasso! Georges Weah, les mecs. Les gars, je vais revoir. Je vais revoir mon but contre le fondateur fut. Le gars, il va se vénère. Il va se vénère, là, c'est bon, il va nous mettre... Ça passe. Ça passe! Mkhitaryan! Non! Putain, oui, oui, oui! Non! Oh putain les gars, on était à rien du tout de mener au score. Allez, on va bien jouer, on va bien jouer là. Hop. Hop. Bim. Bim. Non, le poteau les gars. Non. Et franchement les mecs, on tient vraiment. Franchement, on tient bien. Parce que le gars il a marqué sur le pénalty. Et franchement là au début il nous dominait largement. Et là franchement vous allez voir. Enfin,
Je sais pas au niveau des stats trop comment c'est, mais. Mais franchement, on est vraiment bien dans ce match. Bon, les gars, du coup, modification du défi hein, maintenant. Ce n'est plus gagner une draft. Enfin, gagner un match de draft avec une équipe avec que des cartes spéciales. Donc, sans collectif ni rien. C'est plus maintenant gagner un match de draft contre un fondateur fut. Voilà. Bon, ça risque d'être très très tendu, hein, mais. Hop, voilà. Mi-temps, les mecs, on va voir les stats. Et on a fait plus de tirs que lui. Et on a la possession. Plus de tirs que lui, la possession. Franchement, on est vraiment bien. Il y a la place. Vraiment, il y a la place. Là, je joue bien. On va bien jouer pour cette deuxième mi-temps. Pas bégayer. Non! Il est dessus, notre gardien. Il est dessus, notre gardien éclaté. Putain de merde! C'est quoi ça? Le gars il marque de ses crampons. C'est quoi ça, mon gars? On dirait un ninja. Puis notre gardien là, Rolin ou je sais pas quoi, le gardien de Guingamp aussi. Faire quoi avec le gardien de Guingamp, ouais? Eh oui! De partout! Légalisation de Georges! Voilà! 2-2, les gars! On n'est pas encore mort, on n'est pas fini. Ça passe. Ça passe pour Georgie. Georgia! Non, dommage. Je sais pas c'est qui son gardien déjà, mais. Oh là là, non. Ça, je le sens pas déjà. Ça, je le sens pas. Ah ouais, le gamin. Ah oui! C'est quoi ça, les gars? Moi aussi, je. Non, non! Oh, les hors-jeux! J'ai eu peur. J'ai trop peur là, parce que. En plus, Salin, c'est pas le gardien d'année. Hein. Enfin. C'est le gardien de rien du tout en fait. En fait, Guingamp, ils avaient pas de gardien. Et bah du coup, ils ont mis un joueur de champ. Et il est devenu gardien. Et, oui. Mertens! Non! Allez! Allez! Oh non, les gars, non! Dommage. Allez, concentrez les mecs. 4. Jordi Alba! Plat du pied, dommage. Allez, allez, les gars, là, il est pas serein, il est pas serein. Il est pas serein! Robin! Non! Allez, les gars. On y croit. Tête, 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 les gars. Faut arracher les prolongations. Faut pas déconner. Faut pas déconner. Ouh, les gars, on vient d'arracher les prolongations contre le fondateur fut. Le gars, il a quand même une équipe à 89 de général. Avec 4 totis hein. Et sans compter Messi Tojes. Alors par contre Iniesta Verratti ils sont cuits comme jamais. Mais sauf qu'on n'a aucun joueur. On va faire rentrer on va faire rentrer Diarra. On va quand même laisser Iniesta totis hein. Allez Georges. Allez Wea. On n'a pas de solution. Mais on frappe. Ok bon. Dommage. C'est pas grave. C'est pas terminé peut-être. Avec Arjen Robben. Comme ça on fait ça. On rentre. On sent le dommage de tenter la PES, hein, les gars. Ouais, pas de pitié là. Voilà, interception d'Iniesta Totti. Mertens. Oh merde. Faute. Eh oui, les gars, on a un coup franc. On a un coup franc sympathique. Bon, sympathique. Ah ouais, Marco Reus. Marco Reus en plus de ça. Marco Reus en plus de ça. Ouf, dommage. T'es bien parti quand même. T'as comment ça? Non. Oui, les gars, la faute, bien joué. Voilà. Au moins, on arrête l'action. Et c'est bon. Même si j'ai jamais voulu faire faute. Mais c'est pas grave. Oh là là, heureusement qu'il a bégayé. On va la laisser sortir. Mais en fait, elle sort pas du tout. Voilà. Il y a une touche. Ça va calmer le jeu comme ça. Allez, Mertens. Bonjour, Wea. Georges Wea. Fini. Eh oui! 3-2, les gars! Juste avant la mi-temps de la prolongation. Le triplé! Allez, on reste concentré. Là, il va faire un tout droit. Non, même pas, pas du tout. Il va attendre la mi-temps. Mi-temps. 15 tirs à 12. C'est très très tendu. Face à ce très très bon joueur. Franchement, le gars est vraiment très très fort. Il défend très bien. Il construit très très bien ses actions. C'est hyper dur. Mais on résiste, les gars. Et là, on est devant au score. Allez, on va rester concentré, faut pas bégayer. Faut pas bégayer.
Oui, je sais pas s'il leur joue ou pas. Allez. Une chose à dire, je dis pute. Eh oui, les gars. Eh oui, 4-2. Mais oui. Eh oui, Alex Sanchez BU. 4-2. Ouh. 4-3. 4-3, 117ème, les mecs. Faut la récupérer. Pff, c'est terminé, les gars. On a réussi. On a réussi, les mecs. On a gagné un fondateur fut avec une équipe explosée. Triplé et une passe D pour George Weah. Victoire 4-3 aux prolongations, 18-14. C'était vraiment très dur parce que le gars était vraiment très très fort. Regardez ses stats, c'était très très serré vraiment. Le gars construisait très très bien. C'était, je pense que voilà, en temps normal, le gars était plus fort que moi, mais j'ai quand même réussi à hausser mon niveau de jeu. Et pour au final arracher la victoire 4-3. En tout cas, les gars, si vous voulez qu'on fasse un deuxième match, n'hésitez pas à liker la vidéo et voilà, on refera le tour 2 et on essaiera de retomber contre un fondateur fut. À la limite, dès qu'on verra un autre truc, dès qu'on verra genre créé en mars 2014, on quittera et on essayera de tomber sur un fondateur fut. Donc, si vous voulez le deuxième épisode, un autre défi de draft où on doit affronter un fondateur fut avec cette équipe explosée, parce que je rappelle quand même, les gars, oui monsieur, en exclusivité mondiale dans toute la France, en honneur de Guingamp, on a quand même Romain Salin dans les cages, voilà, faut le préciser, voilà, mais bon, voilà, c'est qu'un petit détail. En tout cas, les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, parce que moi j'ai bien aimé la tournée, c'était assez marrant de gagner un fondateur fut, c'était hyper cool. N'hésitez pas à la liker, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, tout ce que vous voulez, j'en sais rien, faites ce que vous voulez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine, c'était ExoFut, peace.